Bonsoir à vous. Pour comprendre toutes les arcanes des séjours hors école, élément important de la validation du cursus international, nous vous proposons ce soir un reportage sur comment partir à l'étranger à l'école des mines de Saint-Étienne. Pour cela, nous retrouvons Maude, notre élève, qui va nous parler de son expérience à l'international. Maude, alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe, quels sont les détails au niveau de la démarche administrative à réaliser. Alors, reprenons depuis le début. Nous avons eu un premier amphi de présentation au début de la 1A. Vous savez, au moment où vous n'êtes pas forcément concentré, après toutes les soirées. En gros, beaucoup trop tôt. Ensuite, nouvelle présentation, mais cette fois à Noël. Et là, c'est la panique. On doit se décider hyper rapidement si on veut partir en 2A. Nous ne sommes pas les seuls à décider. Si vous n'avez pas de sous, vous ne pouvez pas partir. Il faut se décider. Vous partez ou vous ne partez pas. Puis, le casse-tête des destinations, avec partenariat. Je peux aller aux États-Unis ? Non. Au Mexique ? Non. En Australie ? Non. Nouvelle-Zélande ? Non. Groenland ? Non. Kazakhstan ? Non. Ah. Non. 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 Je vais y aller quand même. Et là, tout commence. Dites-nous, vous êtes parti où finalement ? Parce que c'est quand même cela qui intéresse nos chers téléspectateurs. Ah bah du coup, c'était trop tard pour faire toutes les démarches, rendre tous les documents et je suis restée à Saint-Étienne. Je serais pas là pour vous répondre sinon. Ah oui, d'accord. Non, mais coupez.